On peut parler de la bonne santé mentale de Van Gogh, qui dans toute sa vie ne s'est fait cuire qu'une main et n'a pas fait plus pour le reste que de se trancher une fois l'oreille gauche. Van Gogh n'est pas mort d'un état de délire propre, mais d'avoir été corporellement le champ d'un problème autour duquel, depuis les origines, se débat l'esprit inique de cette humanité. Celui de la prédominance de la chair sur l'esprit, ou du corps sur la chair, ou de l'esprit sur l'un et l'autre. Et où est, dans ce délire, la place du moi humain? Van Gogh chercha le sien pendant toute sa vie, avec une énergie et une détermination étranges. Et il ne s'est pas suicidé dans un coup de folie, dans la transe de n'y pas parvenir. Mais au contraire, il venait d'y parvenir, et de découvrir ce qu'il était et qui il était. Lorsque la conscience générale de la société, pour le punir de s'être arraché à elle, le suicida. Et cela se passait avec Van Gogh, comme cela se passe toujours d'habitude, à l'occasion d'une partouze, d'une messe, d'une absoute, ou de tel autre rite de consécration, de possession, de succubation ou d'incubation. Elle s'introduisit donc dans son corps. Cette société, absoute, consacrée, sanctifiée et possédée, effaça en lui la conscience surnaturelle qu'il venait de prendre. Et telle une inondation de corbeaux noirs dans les fibres de son arbre interne, le submergea d'un dernier ressaut. Et prenant sa place, le tua. Car c'est la logique anatomique de l'homme moderne de n'avoir jamais pu vivre ni penser vivre. En posséder. La peinture linéaire pure me rendait fou depuis longtemps, lorsque j'ai rencontré Van Gogh, qui peignait, non pas des lignes ou des formes, mais des choses de la nature inerte, comme en pleine convulsion. Et inerte. Comme sous le terrible coup de boutoir de cette force d'inertie dont tout le monde parle à mots couverts, et qui n'est jamais devenu si obscur que depuis que toute la terre et la vie présente se sont mêlées de l'élucider. Or, c'est de son coup de massue, vraiment de son coup de massue, que Van Gogh ne cesse de frapper toutes les formes de la nature et les objets. Gardés par le clou de Van Gogh, les paysages montrent leur chair hostile, la hargne de leurs replis éventrés, que l'on ne sait quelle force étrange est, d'autre part, en train de métamorphoser. Ces corbeaux peints 2 jours avant sa mort ne lui ont pas plu que ses autres toiles ouvrent la porte d'une certaine gloire posthume. Mais ils ouvrent à la peinture peinte, ou plutôt à la nature non peinte, la porte occulte d'un au-delà possible, d'une réalité permanente possible, à travers la porte par Van Gogh ouverte d'un énigmatique et sinistre au-delà. Il n'est pas ordinaire de voir un homme avec dans le ventre le coup de fusil qui le tua, fourré sur une toile des corbeaux noirs, avec au-dessous une espèce de plaine livide peut-être, vide en tout cas, où la couleur lie de vin de la terre s'affronte éperdument avec le jaune sale des blés. Mais nul autre peintre que Van Gogh n'aura su comme lui trouver pour peindre ses corbeaux ce noir de truffe, ce noir de gueuleton riche et en même temps comme excrément ciel des ailes des corbeaux surpris par la lueur descendante du soir. Et de quoi en bas se plaint la terre sous les ailes des corbeaux fastes, fastes pour le seul Van Gogh sans doute, et d'autre part fastueux augure d'un mal qui lui ne le touchera plus. Car nul jusque-là n'avait comme lui fait de la terre ce linge sale, tordu de vin et de sang trempé. Le ciel du tableau est très bas, écrasé, violacé, comme des bas-côtés de foudre. La frange ténébreuse insolite du vide montant d'après l'éclair.
Van Gogh a lâché ses corbeaux comme les microbes noirs de sa rate de suicidé à quelques centimètres du haut et comme du bas de la toile, suivant la balafre noire de la ligne où le battement de leur plumage riche fait peser sur leur embrassement de la tempête terrestre les menaces d'une suffocation d'en haut. Et pourtant, tout le tableau est riche. Riche, somptueux et calme, le tableau.